GG les amis, c'est Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Alors, ça zoom zoom en Bretagne ou quoi? Qu'il y a volé les poteaux ou bien? GG aux States, aux USA, à la One Again, à la Beast to Fly. Ça c'est pour les traducteurs, ils s'amuseront. Merci pour Allez, hashtag. Donc, les sorties ciné chez les Carrie, chez les What's Again et chez les What's Up and You Know, chez les Cat Killer Show, chez les Gangsta Style, les... Hein, you know. Bon, bref. Alors, What's Up dans les sorties ciné, les amis? Hein, qu'est-ce qu'il y a de bon dans les salles de cinoche qu'on aime bien regarder? Des fois, on sait pas quoi faire, c'est l'été. Des fois, il fait trop chaud dehors. Alors, on décide d'aller se rafraîchir dans les salles climatisées, genre UGC, Pathé, Gaumont, le Bretagne. Le Bretagne, ce super cinéma qui est à la guerre, les amis. Et oui, 5 euros la place de cinoche. Vous me direz, c'est pas cher. En même temps, le film, tu peux l'attendre longtemps. Mais bon, t'es bien content quand tu le vois, hein. Bon, reste tranquille. Donc, les amis, pour le mois de septembre, j'ai repéré deux gros films, deux bons films à aller voir. Parce que le reste, ça n'a pas l'air terrible. Mais au moins, ces deux films-là, à mon avis, vous serez pas trop déçus. Mais je vais vous parler d'un film qu'on a oublié pour le mois d'août. Parce qu'on a peu le temps de clipper le truc. En plus, j'avais pas vu la bande-annonce. Parce qu'il y avait Donald Trump et tout, ses parties de golf, les jambes en l'air et tout. Compliqué. Donc, le film du mois d'août qu'on a loupé, les amis, j'espère que vous l'avez vu. C'était le film de Jason Statham. Et oui, c'était en eau trouble. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les eaux troubles? Eh ben, des requins. Et même, je dirais même, un requin énorme, puisqu'il s'agissait d'un mégalodon de 23 mètres de long. Ouh, ça rigole plus, hein. 23 mètres de long, t'as intérêt à nager vite, et encore. Donc, c'était quoi, vite fait, hein? Jason Statham, il est dans une station sous-marine, il se fait attaquer par le requin, et puis il est obligé de faire la bagarre et tout. C'était magnifique, ce film. Je vous conseille, les amis... Il va sortir bientôt en DVD Blu-ray, en stream. Attendez que la qualité soit bonne parce que ça se passe sous l'eau. Donc avec les streams, les screeners, des fois, on voit pas très clair. Bref. Ça rigole ici, c'est la fête. Allez, GG les amis, c'est toujours Mark Smith. Donc... Les films du mois de septembre, les gros films à aller voir. On va commencer par un film d'horreur, un film qui fait peur, un film tu vas faire caca dans ta culotte, mon ami. Alors, ça sort le 19 septembre, ça s'appelle La Nonne. Alors La Nonne, qu'est-ce que c'est qu'une nonne? Eh bien, c'est une bonne sœur, les amis, Yenner, parce que nous, au States, on dit The Nun. Ok, mais c'est pas une naine, c'est une nonne. Une nonne. Une nonne. hashtag Marie-Joseph. Donc... Oh Marie, si tu savais... Hein, tout le bien que tu nous fais. Donc non, la nonne là, elle est vénère. C'est une nonne méchante. Une nonne que vous avez déjà vue, les amis. Puisque c'est la nonne qui fait peur, qu'on voit souvent dans les films d'horreur. Vous savez, Conjuring... Avec les esprits possédés et tout. Les trucs, ça se passe dans les églises avec les crucifix. Ça fait peur. Alors, donc, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, après le suicide d'une jeune nonne, justement, puisqu'on parle de nonne, donc il y en a une qui s'est fait suicider, apparemment, elle se serait fait suicider, dans une abbaye roumaine, les amis, hein, pas d'amalgame. Donc, le Vatican, il est pas content. Il dit, voilà, oh là, il y en a une qui se suicide, c'est louche. Nous, on n'aime pas ça. Donc, il décide d'envoyer un curé et sa curette. Hein. Je sais pas comment on dit. Bon, ou la nonne. La nonne. Donc, pour mener l'enquête. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais pas vous le dire. Mais en tout cas, ça va faire peur. Hein, parce que c'est un film d'horreur. Donc, il y aura de l'épouvante, du stress, de l'émotion. Hein. Parce que la nonne démoniaque, elle va vous faire stresser, les amis. Vous allez avoir les poils qui vont s'hérisser, la chéchir, de la poupoule. Vous allez même sauter du fauteuil. Bonjour. Yeah, yeah.
les amis, c'est Mark Smith en direct live des États-Unis de l'Amérique pour le deuxième gros film qui va sortir au mois de septembre, qu'il faut pas louper dans les salles françaises, hein, parce que nous, au State, aux États-Unis de l'Amérique, on l'a déjà vu ce film, hein, mais je vous le conseille parce que nous, on l'a déjà vu. Donc, il s'appelle La prophétie de l'horloge. Mais nous, au State, on appelait ça le tic-tac qui est derrière la porte. Donc, ce film de fantastique, si vous aimez les films avec des sorcières, avec des fantômes, avec des monstres, vous allez vous régaler. Et ça, c'est pas un film qui fait trop peur. Vous pouvez le voir en famille, avec des enfants. Il n'y a pas de problème, les amis, articulez, s'il vous plaît. Donc, ce film, c'est avec Jack Black. Vous connaissez Jack Black? Il aime bien les films comme ça, fantastique, le mec. Donc, l'histoire, c'est Lewis. Et Lewis, il a 10 ans, le petit enfant. Et là, il doit aller chez son oncle. Et son oncle, il a une grande maison. C'est Jack Black, l'oncle, hein, vous l'avez reconnu. Une grande maison avec des passages secrets partout, des pièges entre les murs, des portes qu'il faut surtout pas ouvrir. Mais Lewis, il écoute rien, il ouvre les portes. Enfin, je vous en dis pas plus. Ça va être du délire, les amis. On va rigoler. Et on va surtout s'évader dans la fantastique. Nous devons détruire l'horloge. J'ai la chair de poule. Tu n'y arriveras pas tout seul, je peux t'aider. Tu veux voir de la vraie magie? Je vais t'en montrer. Donc ça sort le 26 septembre. À pas louper, hein. Donc vous avez vu, le mois de septembre, ça va être lourd, hein. Et voilà les amis, c'était Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Et puis moi, je vais aller en vacances aussi. Je vais aller à Ibiza avec Jean-René Latope.